sur le côté gauche, Antoine Bretin. On a beau chercher, fouiner et trouver finalement un palmarès qui, pour l'instant, est en train de se construire pour ce garçon. Franchement, il a été la surprise du chef, il a été la révélation. Thierry, allez, mesdames et messieurs, ça va partir et ça part avec beaucoup d'efficacité devant. C'est vrai qu'il y a du métier, c'est vrai qu'il y a du talent, c'est vrai qu'il y a du réflexe par l'extérieur. Oh, et le bon départ, semble-t-il, d'Antoine Bretin. Antoine Bretin qui a réalisé le one shot, c'est-à-dire le passage en fait au premier virage. Contre-attaque immédiate depuis la corde. Je me demande si c'est pas possible. Il a fait un excellent départ également avec la 85 en revanche de Pajot. S'extrait de position qui ne sont pas habituelles pour lui, c'est-à-dire pour le fun à son tour j'imagine, et le retour est arrivé plus tôt dans l'escargot. Cet épingle qui va se des virages les plus lents, entre nous, c'était très important pour sortir très vite finalement, Cédric Gréto, entre lui sur un coup à l'écran, il avance de la ligne droite avec bien sûr une respiration, ça c'est que dans Castagnan, on connaît cette voiture, mais c'est pas cher pour façon, c'est le numéro 27, qui est en train de longer le côté droit de la piste pour couper la spi justement. Et devant, est-ce qu'on a une confirmation de l'identité de leader? Je pense que c'est leader aussi pour réaliser un start absolument génial. Donc ce départ est assez sous un test, Thierry. Ça veut dire tout simplement qu'on doute que certains ont accéléré un petit peu trop tôt. C'est des situations auxquelles on est confronté de même temps. Tricher là-dessus grâce à l'informatique, grâce au système de chronométrage moderne, on peut au milieu de l'éternité, c'est un numéro de pilote à anticiper le départ. Il aura droit à l'attaque à la 4ème position maintenant. Non, et pareil, il y a Castagnan qui est en train de remonter. Tout ceci se produit dans des conditions parfois très correctes. Voilà, ça porte un petit peu quand même dans ce peloton. Et si Jurado pour l'instant qui s'en extrait de la meilleure manière. Pardon ! Et une petite erreur, mais qui a commis cette petite erreur ? Je n'ai pas aperçu la plaque. Est-ce qu'il s'agit de Gonzalez, le numéro 3 ? Et ça continue. Ah là, il y a un petit problème. Je pense qu'il y a le bulle sur la piste. Ce n'est pas explicable pour moi.